petite minute, Véronique. Il est 18h, hein. Je ferme le volet roulant. Enfin, Véro, on n'est pas aux pièces. Oh, monsieur, s'il vous plaît, sortez maintenant. Attendez, je suis pas tout à fait prêt. Bon, je ferme le volet roulant. Écoutez, monsieur le préfet, c'est la procédure. Non, c'est ridicule. Non. Enfin, arrêtez. Écoutez, non, je vais vous entendre. Arrêtez. La journée est finie. Allez, arrêtez, s'il vous plaît. Véronique, vous en prie. C'est ridicule. Véronique. Ah. Oh. Sacrée journée. Je cherche une caméra pour ma voiture. Oui, pour quelle utilisation? Bah en fait, parce que j'avais vu des gens sur internet qui faisaient ça. Oui, je vois, pour les assurances. Non. Ah, ok. Eh ben, ça tombe bien, on vient juste d'avoir un nouvel arrivage, donc... suivez-moi, je vais vous montrer. Ok. Alors, je peux vous proposer ce modèle ici, c'est quasiment du HD, donc on peut pas mieux faire en ce moment en termes de dashcam. Ah oui. C'est un flux direct. Donc tout ce que vous voyez là, c'est ce qui se passe. D'accord. La résolution est de 285p. Le rendu sonore, écoutez, c'est comme si vous y étiez. Là, vous... Mais effectivement, parce que là, on entend un oiseau. Ah oui, non, mais là, en fait, vous voyez et vous entendez ce que voit et entend la dashcam. Vous êtes les yeux de votre véhicule. Oh là là, et... Quoi? Bah, regardez là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est pas banal. Sacrée journée, Madame Palmer. Sacrée journée, Dorine. Bon, je fais le topo. Monsieur le préfet a disparu. Le préfet? Pas moyen de mettre la main sur lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On a fermé à 18h. Oui. La préfecture, hier. Tout allait bien. Il a laissé son attaché-case au bureau. Oui. On a retrouvé... Mais c'est ses lunettes. Écoutez, je pense qu'il était stressé. À cause de l'allocution de ce soir?
Je pense qu'il a fugué. Hypothèse intéressante. Écoutez, je compte sur vous pour le retrouver. Comptez sur moi, Madame Palmer. Bon courage, Doreen. Sacrée journée, madame. Sacrée journée. Dites-moi, j'ai absolument besoin de vous. J'ai perdu le préfet. Il faut absolument. Vous avez un petit café ? Ah non, du tout, c'est pas ma pause café. Bon, merci. Voilà, j'ai cette paire de lunettes qui appartient au préfet. Et j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Tu vas le retrouver. Merci. Au revoir, bonne journée. Sacrée journée, monsieur. Sacrée journée. Moi, j'ai besoin de quelques informations, s'il vous plaît. À quel sujet ? Au sujet d'une paire de lunettes. Ah non, non, je vous arrête tout de suite. Pourquoi ? Ça fait des années que je répète à tout le monde que je suis plus opticien, moi. C'est une blague ? Eh non. Si ça vous intéresse, je me suis reconverti dans la robotique, figurez-vous. C'est génial, ça vous dit absolument rien ? Ce sont les lunettes du préfet ? Exactement, il a disparu. Faut absolument que je le retrouve. Manifestement, il s'agit d'un mouvement qui s'appliquait de manière verticale. Avec une charge assez monumentale, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Puis on entend bien tous les petits sons, genre le plastique sur l'eau. C'est vrai que ça rend très bien. Ça rend très bien, ça c'est. Très bien. Ça crépite, ouais, voilà, c'est apaisant. En fait, c'est simple, je m'étais dit à l'époque, qui n'a pas rêvé un jour d'avoir un coefficient de rotation neutre sur ses moteurs mis en série ? Bon, alors je te montre comment ça marche. Parce que moi, quand je suis arrivé dans le marché, il faut savoir que les moteurs étaient complètement obsolètes. Donc, par exemple, les soupapes étaient complètement redirigées vers la pâte thermique. Ce qui fait que ça pouvait pas, il pouvait pas avoir de signal entre la partie numérique et la partie analogique, tu comprends ? D'accord. Ce qui faisait qu'on pouvait pas du tout avoir de transfert. Et sur la production de masse, c'était impossible à gérer. Alors moi, je suis arrivé et j'ai permis notamment. Oh, merci. Excuse-moi. Oui, allô ? Bonne journée. Je vous appelle parce que j'ai trouvé un sac. Alors, il y avait un numéro vert dessus, je le compose. S'occupe de ça. C'est le personnel de la préfecture qui s'occupe de régler les problèmes liés aux déchets comme ça. Donc, je vous appelle. Je tombe sur votre patronne, je crois, Madame Palmer, si je me souviens bien. Donc Annuelle, elle me dit qu'elle n'a pas que ça à faire, elle a d'autres problèmes à gérer qu'un sac près d'une écluse, donc elle me... Oui d'accord, en effet, c'est la procédure, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. Tu veux pas que je t'explique la fin de... Marc-Antoine, on se revoit bientôt. Je suis désolée, faut que je file. Merci. T'as voulu, hein? Ouais. T'as un truc? Qu'est-ce que c'est? Hé!
Et maintenant. Ouf. Alors c'est vous le garde forestier? Ah non, moi je suis juste Maxime de l'écluse. Et c'est vous qui m'avez appelé? Oui, pour le cadavre. Ah, vous me sauvez la vie, Maxime de l'écluse. Vraiment. Je pensais y passer une semaine sur cette enquête. Et au final, le préfet sera présent ce soir lors de l'allocution. Non mais attendez, hein, parce que moi, d'après mes analyses, si on prend en compte la vitesse du courant, la température de l'eau et sa turbidité, il s'est jeté du pont là-bas. C'est un suicide, hein. Je crois que c'est fini. Ce qui ne l'empêche pas de rester. Je voudrais que nous revenions aujourd'hui sur la notion de partage, car c'est vous, les acteurs locaux, qui portez les valeurs de fraternité et d'engagement. Vous faites vivre notre territoire et rendez possible l'avenir de nos enfants. Nous avons fait face à de nombreux défis et nous avons su les relever. Ma stratégie pour l'avenir est simple: diffuser, planifier, sécuriser, libérer. Je voudrais conclure en remerciant nos concitoyens et concitoyennes qui ont fait preuve d'une grande vigilance et qui ont su, avec le plus grand des calmes, respecter les procédures. Merci.